Boaké, l'insalubrité dans les marchés. Au grand marché de Boaké, le poisson, la viande et les légumes sont exposés de façon anarchique aux abords des rues dans des conditions insalubres. Des restaurants autour du marché dans des dispositions nauséabondes. La gestion échappe très souvent aux autorités communales et le non-respect des conditions d'hygiène se pose avec acuité. Les aliments accessibles aux consommateurs lambda et les tas d'immondices ainsi que les eaux usées s'entremêlent ça et là. On vend au grand marché ici, on vend dans les conditions difficiles. Ça ne va pas. Vous voyez, on vend dans la boue, on vend dans l'eau sale. Mais on est obligé de vendre pour pouvoir subvenir à nos besoins. À chaque fois, la mairie vient nous chasser. Mais on n'a pas de place fixe. Voilà pourquoi on vient vendre ici. On est obligé de venir vendre ici parce qu'on n'a pas de place. Par rapport à la protection des poissons, c'est comme ça qu'on vend. Nous, on ne sait pas comment on doit protéger. C'est comme ça qu'on vend. Nous, on est venu trouver les femmes vendre comme ça. Donc, c'est obligé que nous tous on vend comme ça. La mairie de Boaké doit se pencher sur cette situation avec célérité car si l'on prélève des taxes, les retombées doivent être visibles sur l'environnement commercial. Vraiment, je vais en checker. C'est ça, je peux me débrouiller pour m'occuper de ma famille. Sinon, vraiment, ici, là, nous, même on sait que ce n'est pas prudent. Vous voyez les mouches. Mais on va faire comment? On est obligé de se débrouiller aussi pour pouvoir nourrir notre famille. C'est cela. Sinon, ça nous arrange pas. Si la mairie peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ça va nous faire plaisir. On a besoin de ça, tout le monde. Même dans le marché, même là, il y a trop de saleté là-bas. Trop. Donc la mairie n'a qu'à faire quelque chose pour donner à la population. On a besoin de ça.